Okidoki. On va essayer ça. Ça peut être horrible. Ça peut être super sympa. Voilà, c'est un deck combo basé sur le pilote. Je pense que contre les agros, on peut un peu galérer. Par contre, il y a vraiment moyen, contre les decks un peu plus lents, de mettre en place le setup. Le setup, c'est quoi? C'est l'artificier ingénieux qui dit que le prochain Draenei que je joue réinitialise un montant de cristaux de mana égal à son attaque. Donc derrière, on joue le pilote, qui est un Draenei, qui détape 4 mana. Et avec ces 4 mana, on va jouer des sorts qui vont réinvoquer des pilotes. Et à la fin du tour, on va mettre des dégâts. Donc l'idée, c'est de jouer comme un deck très très contrôle. Donc avec une curve quand même un peu Draenei, avec des petits sorts. On joue le côté tourisme avec le voleur, justement pour avoir une tempo correcte. On a la Supernova qui est un sort exceptionnel. J'ai mis l'Exarch pour tester, même si je pense que dans ce deck, ça n'a pas trop lieu d'être. Et puis voilà, c'est un deck combo pilote. Mais c'est pas un combo OTK. C'est là où, quand tu mets en place une combo où tu dois jouer un tour 5, peut-être au tour 6 et derrière un tour 7, en général, tu as envie d'OTK, quoi. Bon, même si OTK T7, heureusement que ça n'existe pas, mais à voir. Faut pas tomber contre des Illidan pirates. Voleur. Vous l'avez cherché. Je garde ma filouterie, hein. Oh, ça peut être sympa, ça. Bon, j'ai plus la supernova, mais bon, on va curver avec ça. Un petit Draenei qui fait découvrir un sort. Là, on pioche 3 cartes coûtant 3, 7 et 6. 3, 7 et 6. Bah, ça marche, hein. J'ai pas de 6, mais je m'en moque. Je pioche mon pilote. De toute façon, j'aurais eu trop de cartes en main. Ça sent la magie en face. Est-ce qu'on fait détecteur maintenant? Ah, on a la combo. La prochaine carte que vous jouez, ouais. Est-ce qu'on ferait pas juste ça? On le débloque. Enfin, on le développe plutôt. Faut qu'on garde les sorts, hein, pour le pilote. Khazar avec ça, il l'a fait, magnifique. Khazar, il prend ta main, il te la met dans le deck. Par contre, ça réduit de 3 le coût des cartes de ton deck. Donc là, il va partir en combo un peu. C'est magnifique ce qu'il fait, lui. Le prochain Draenei que vous jouez. En vrai, je peux le faire maintenant, hein. De toute façon, ce sera toujours lui, hein. Comme ça, je l'ai calé, hein. Magnifique. Bon, après, qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça, quoi? Là, il m'offre du rêve, là. Contempler la, oh, véritable, wow, magie des arcanes. Il part en combo maintenant. Il a gagné T5. C'est incroyable. Le kill T5. Vas-y, kill-moi. Je vais te gavoir à la fatigue, mec. Ou pas, mais...
Je suis prête. Une offre à durée limitée. Ma main est déjà pleine. Contempler la véritable magie des arcanes. Après, faut le casar, faut le lieu, faut... Pourquoi tu trade Macrea? Ah, parce que t'es large létal? S'il me tue pas, par contre, il est mort. Hein. Je pense qu'il me tue. Incroyable. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. C'est le deck le plus RNG du jeu. Par contre, quand t'as ta carte avec ton lieu... Ah, c'est tellement pour l'adversaire. Là, on le prend bien parce que c'est... moi j'aime bien ces decks là. Mais j'avoue que t'es en ladder. Tu prends ça. Tu dis, mais en fait, ça m'intéresse pas de jouer dans une méta où il y a ça. Même si ça, c'est... je pense que ce sera pas bon parce que totalement instable. Et n'importe quoi. Ah, le problème, c'est que là. Ça marche pas, hein. Le buter à distance là. Je suis prêt. Belen, nous avons un problème. Bah ouais, mais bon, c'est n'importe quoi. Combien de temps? Bah ouais, il y a ça en plus. Incroyable. Bah ouais, en fait, il joue ça avec ça et les éviscérations. Ah non, mais éviscérations. Place une carte de chaque autre classe dans votre deck, elle coûte 1. Bon, ça par contre, c'est un peu greedy. Il faut me buter un moment. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me tues pas, mec? Il est en train de jouer au jeu, lui. Hein. C'est n'importe quoi. Bah vas-y, hein, tue-moi. Ma main est déjà pleine. Vous avez gagné. Bon. C'est une game qui compte pas vraiment, hein. C'est n'importe quoi ce qu'il a fait lui. Par contre, c'est un peu too much le remettre des cartes dans le deck et tout. Mais est-ce que s'il joue contre un deck contrôle? Mais il peut jouer avec l'OTK, je pense. Ok, on a le pilote, mais je pense pas qu'on le garde en main.
Ça, c'est quand même une carte de fou. Je vais garder le robot, je vais garder le marchand pour la curve. Ok, l'artificier, c'est bien de l'avoir. Ce voleur, il donne envie, mais on les connaît, ces voleurs. Hein. Tu vas le jouer, t'auras jamais ton Q-Kazar là, et ton Kazar. Et ça sera la pire game de ta vie. Ça sera les pires games de ta vie, quoi. Là, on est en 6-6-1. Moi, ça ne m'intéresse pas. On est en 3-6-0. Presque pu le garder pour ça, mais je pense que j'aurai assez de sorts. Ben surtout que j'ai le calice en main, donc je m'inquiète pas trop. Ah, c'est le même adversaire. Bon, on va voir s'il fait la même game. Mais ce qu'il joue, c'est génial. Hein. Moi, c'est mes decks préférés dans les jeux de cartes. Les decks où tu joues tout seul. Les decks goldfish, en fait. Tu joues tout seul, mais... La seule puissance du deck, elle vient de sa stabilité. Si c'est stable, c'est le meilleur deck du jeu. Si c'est pas stable, bah c'est le pire deck. Il nous faut des petits sorts, hein. Ok. Donc là, au prochain tour, je peux déjà faire mon pilote si je veux. Je fais pièce. Non, ça marcherait pas. Ah si, je fais pièce, pilote. Je détape 4 mana. Et avec ces 4 mana, je fais un peu de bricolage. Ça, c'est un trésor. Bon, là, c'est vraiment un match de con. Hein. On joue tous les deux dans notre coin. Contemplez la véritable magie des arcades. Comme c'est mystérieux. Et ouais, ma gueule, du berger à la bergère. Ah, c'est con. On est deux cons, en fait. On est deux joueurs qui n'aimons pas jouer avec notre adversaire. Allez, t'en prends un troisième, là. Ouais. Allez, j'ai pris ma revanche. Ça fait plaisir.
T6, hein. T6, tous les pilotes. Je détruis son petit board, je fais full pilote, bim, je te mets 15. 16 même. Non, 18, on lui a mis 18 dans le visage. Attends, on en avait 7. 3 x 7, 21. On a mis 21, bam. Ah bah moi, il est plus stable mon deck, hein. J'ai plus de pioches. Enfin, j'ai pas forcément plus de pioches, mais je joue pas que sur une carte. Et puis je joue sur une carte, ce que je peux aller chercher. Après, il est moins explosif que... Ouais, lui, c'est vraiment... en un tour, il pioche 50 cartes, mais... Vous l'avez cherché. Ah, trop cool. C'est plaisir de gagner, quand même. Tu n'as même pas laissé l'effet des pilotes le finir. Non, c'est du BM. Ça sert à rien. Ok. T'es avec 6 pilotes, donc 18 dommages. Ouais, c'est ça, 18. Plus derrière les 4-3, hein, faut les gérer. C'est ça qui est bien. Oula, la grosse sortie avec ça, il touche. Je découvre des démons, ils coûtent pas cher. Ça va être sympa là le match. Mais c'est, je pense, le match-up qu'on n'aime pas. Un deck très très, enfin, très agro. En tout cas, avec une sortie comme ça, normalement, il est plutôt mid-range, j'imagine. Mais avec une sortie comme ça, je pense qu'il va. Il va vraiment être très agro. Il y a un monde où je décale, je joue pas ça. Je fais filouterie, into artificier, into exarch. Ouais. Parce que l'exarch il va détaper 5 mana, je vais pouvoir faire pas mal de magie, j'aime bien. Je pense que là je vais devoir faire la combinaison contrôle. Sinon je vais pas toucher terre dans cette partie. Quoique j'ai une belle arme là. Ah je peux décaler en vrai. Non mais... En vrai ça revient au même. Parce que je peux faire ça et tour d'après je peux faire pièce, artificier, into exarch. Je découvre un sort, je réduis son coût de 1, je le lance, hop je refais l'épée. Ok, ça je peux aller le chercher. Je pense que ça va être trop lent pour le pilote. Vu la sortie du garçon, ça va être en mode exarch. Quelle carte ? Pilote d'escadre arche. S'il fait une sortie très molle, enfin s'il fait un tour très mou, peut-être que je me laisse tenter par filouterie et derrière je pars en combo. Après, l'exarch, il est quand même monumental et je pourrais toujours faire ça plus tard. C'est vrai que son tour, il est mou. Hein. Et le problème, c'est que derrière, il va y avoir un gros tour. Ah, je pense que c'est ça. C'est dégénéré, hein. Ah, c'est incroyable, ça. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Oh la ding 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 ding. Oh la ding 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 ding. Ça rend fou d'avoir. Non mais c'est n'importe quoi. Je pièce Calice. Attends,
Ah, flûte. C'est stupide. C'est ça avec la 4-6. Bon, en fait, j'ai dit n'importe quoi sur l'Exarch. En fait, la synergie, elle est totalement stupide. Tu joues ta 4-6, tu fais ça, tu détapes 5 mana, c'est parti. Je comprends mieux pourquoi c'est une légendaire, en fait. Par contre, il a vraiment eu de la réussite. Hein. Mais bon, je suis tellement devant dans la tempo. On va y aller en prise de board. Hein. Oh, il est beau lui. Invoque deux serviteurs aléatoires avec râle d'agonie coûtant 3. Lui, il est incroyable. Elle est mal traduite, la dimension de poche. C'est quoi la dimension de poche? C'est quoi la dimension de poche? Ah, le sort à 4 qui découvre, non? C'est ça? Ouais, ouais. Une offre à durée limitée. Je fais full tête, hein. Il y a aucun monde où il me tue et je peux le finir avec ça. De toute façon, il doit gérer mon board. Je pense qu'à un moment, il faut pas trade. Hein. Je me donne trop de chances de perdre si je trade. Hein. Puis là, je peux partir en combo pilote. Hein. C'est fou cette carte. Hein. C'est un super deck. C'est franchement un super deck. Ouais, c'est vraiment vraiment un super deck. La dimension de poche, découvre un sort, recommence jusqu'à en avoir un deuxième. Alors moi, pour moi, c'est je découvre un sort et ensuite je redécouvre un sort, tout simplement. C'est pas je découvre un sort et si je trouve à un moment le même sort que j'ai découvert, là ça s'arrête. Bon, bah magnifique ce deck combo pilote. On a fait 2-1. Même si le premier match on le perd sur un truc bizarre, mais ah, j'ai envie d'en faire une autre. Ah, je fais encore. Ah, j'aime trop. On jouera le démoniste après. Bah, ça va assez vite, hein. Franchement, T7, la game elle est pliée. Hein. C'est pas un deck qui pionce. Hein. Temps de forger notre propre destin. Vous l'avez cherché.
Je garde pas ça, je garde pas ça. Par contre, je vais garder les petites créas. Mais ouais, c'est pas une erreur de traduction pour moi. Enfin, je comprends ça en fait. Découvre un sort, recommence jusqu'à en avoir un deuxième. Bah recommence pour avoir un deuxième sort. Ils auraient pu aussi dire découvre deux sorts, l'un puis l'autre. Prête sur plus de soins, j'imagine. Une seule dose réglera. Donc ça sert, subit des dégâts, inflige le même montant. Oula. Très très gros là. Bah en vrai sur plus de soins ça marche avec ça. Je relance. Vous vous couchez. Prenez-en une dose de plus. Ça apporte quoi la partie jusqu'à en avoir un deuxième? Bah c'est juste que pour 4 tu découvres deux sorts. Mais tu découvres pas deux sorts d'un coup. Bah tu découvres un sort, tu fais une découverte puis une autre découverte. Oh le vilain. Oh le vilain garçon. Oh le vilain prêtre aggro là. Ouh, on n'aurait pas dû relancer cette game. Oh là 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 là. Je vais me battre, mais je crois que ça sera trop compliqué là. Prêtre aggro, faut pas déconner. Après, j'ai quand même des bons trucs, mais... Oh là là. Mais le gars... Mais le gars, il triche tellement. J'ai pas joué au jeu. Je suis prêt. Je suis à 1. Mais c'est quoi cette sortie de gros? Parce qu'en vrai, j'arrive à me défendre. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette sortie de gros taré? Est-ce qu'il y a un monde où on peut survivre avec les arcs, peut-être? Avec le pilote, mais j'ai pas assez. Hein. Quoique. Mais non, ça suffira jamais. Hein. Jamais ça suffit. Oh, il manque pas grand chose, il manque un sort et c'est bon. Parce que c'est 3-3-3. 3-3. Je tue lui. En fait, je fais 3 là, 3 là, 3 là seulement. C'est un truc de barjo. Une seule dose. Vous voyez ? Nous avons un problème. Oh, waouh ! Il est pas sain ce prêtre, hein. J'avais la game, hein, franchement. Ça se joue à rien. C'est un truc de fou. Hein. Parce que là, je pars vite quand même en combo. Hein. Bon, au moins, ça montre que je peux vite partir contre les decks aggro. T5, hop, j'ai ma combo en place. Oh, waouh. J'aurais pas dû relancer, mais en même temps, au moins, on a vu qu'on pouvait partir en turbo patate.